Caillou aimait aider sa maman à travailler dans le jardin. Est-ce que les framboises sont mûres, maman? Framboises? Framboises? Non, elles ne sont pas encore mûres. Il faut attendre un peu plus longtemps. Oh, je n'aime pas ça attendre. Je sais ce qui pourrait nous aider à faire passer le temps. Tu m'as tellement bien aidée que tu aimerais peut-être devenir mon apprenti jardinier. D'accord. Désolée, Gilbert, tu n'as pas besoin d'être arrosé. Oh, Caillou! Désolée, maman. Regardez, les enfants. On met les graines dans les tasses comme ceci. Il faut ensuite leur donner de l'eau et les déposer près des fenêtres. Parce que des graines de haricots plus de l'eau plus du soleil font... Des blancs de haricots! Vous avez bien deviné. Eh bien, ça alors, vous êtes déjà de bons petits jardiniers. Oui, Caillou? Je suis un apprenti jardinier. J'aide ma mère à faire pousser un vrai framboisier. Tu as de la chance, Caillou. Et je vais partager mes framboises avec toute la classe. Ouais. C'est très gentil de ta part, Caillou. Mais tu sais, ta famille et toi allez aussi avoir envie de manger les framboises. On va avoir des tonnes de framboises et je veux que tout le monde puisse y goûter. Je pourrais manger un million de framboises. Tu promets d'en apporter? Oui. Est-ce que les framboises sont mûres maintenant? Pas encore, Caillou. Il va falloir que tu sois un peu plus patient. Tu sais ce que j'ai appris aujourd'hui? Des graines de haricots plus de l'eau plus du soleil font... des plants de haricots. Je vois que tu as bien compris, Caillou. Framboise! Oh. Non, Mousseline! Les framboises ne sont pas encore mûres, c'est maman qui l'a dit. C'est vrai, Mousseline. Mais lorsqu'elles sont bien rouges, elles seront prêtes à être mangées. Si tu as faim, je peux vous préparer une collation. Oui, bonne idée. Je veux manger. Tu ne veux pas boire ton lait, Mousseline? Non. Mais le lait t'aidera à devenir une belle grande fille, tu sais. Mousseline toute grande. Oh oui, beaucoup plus grande. Soudain, Caillou eut une idée. Si le lait pouvait faire grandir Mousseline, il pourrait peut-être aussi faire grandir les framboises. Qu'est-ce que tu fais? Je donne un peu de lait aux framboises pour qu'elles deviennent belles et grandes. Malheureusement, ça ne fonctionne pas avec les plantes, mes chéris. Elles n'aiment que l'eau. Caillou voulait que les framboises mûrissent plus vite. Alors, il décida de donner plus d'eau aux framboisiers. Et maintenant, que fais-tu, Caillou? Je vais donner plus d'eau aux framboisiers pour que les framboises mûrissent. Je crois que le framboisier a eu assez d'eau pour aujourd'hui. Et maintenant, la seule chose qu'il lui faut, c'est un peu plus de temps pour que les framboises arrivent à mûrir. D'accord, maman. Oh, je veux bien leur donner un peu plus de temps. Regardez, les haricots commencent à pousser. Caillou, est-ce que tu nous as apporté des framboises? Non, elles ne sont pas encore prêtes. Mais tu vas vraiment nous en apporter. Tu nous l'as promis. Je suis sûre que Caillou fera son possible pour apporter des framboises quand elles seront prêtes. On ne peut pas demander aux framboises de mûrir plus vite. Dépêchez-vous! Grandissez! Malgré ce qu'avait dit Mademoiselle Martin, Caillou demandait aux framboises de mûrir plus vite. S'il te plaît, pousse et fais tout plein de framboises. Oh, peut-être qu'il te faut plus d'eau? D'après ce que je vois, tu prends très bien soin du framboisier, Caillou. Merci, mais est-ce que tu crois qu'un jour les framboises seront prêtes? Je suis sûre qu'elles mûriront bientôt. Elles reçoivent beaucoup d'eau et de soleil. Ne t'inquiète pas. Il n'y a plus de soleil. Caillou était inquiet. Il savait que pour pousser, les plantes avaient besoin de beaucoup de soleil. Qu'est-ce que tu fais, Caillou? Le soleil se cache. Je donne plus de lumière aux framboisiers pour qu'ils puissent grandir. C'est très gentil de ta part, mais les framboises ont besoin de la lumière du soleil, pas la lumière d'une lampe de poche. Oh! Mais ne t'inquiète pas, le soleil va bientôt revenir. Quand? J'ai promis aux amis de l'école de leur apporter des framboises, mais elles ne sont pas encore prêtes. Oh, je vois. Elles seront bientôt mûres, je t'assure. On ne peut pas leur demander de mûrir plus vite. C'est ce que Mademoiselle Martin a dit. Et elle a tout à fait raison. Lorsqu'on jardine, il faut apprendre à être patient.
Alors, je propose qu'on vienne revoir le framboisier demain, d'accord? D'accord, maman. Vous devriez venir voir ce qu'il y a dans le jardin. Caillou était inquiet. Il croyait que quelque chose était arrivé à son framboisier. Caillou avait raison. Quelque chose était arrivé au framboisier. Oh, des framboises! Regardez! Framboises! Oui, Mousseline, des framboises. Elles sont enfin mûres. Alors, ça valait la peine d'attendre, n'est-ce pas? Oui! Oui. Je pense qu'on devrait tous remercier Caillou de nous avoir apporté toutes ces bonnes framboises. Merci, Caillou! Les framboises sont les meilleurs fruits du monde entier! Merci, Caillou! Ça me fait plaisir! Oui, Léo? Quand est-ce qu'on va manger nos haricots? Nos plans ont l'air de bien se porter, mais on ne pourra pas cueillir de haricots avant un bon bout de temps. Il faut être patient, n'est-ce pas, Mademoiselle Martin? Les plantes poussent tout doucement. Tu as tout compris, Caillou. Peut-être que l'on devrait ajouter ça à notre tableau. Graines de haricots, plus eau, plus soleil, plus... du temps font... des plants de haricots! Caillou apprit qu'on ne pouvait pas demander aux framboises de mûrir plus vite et aux autres plantes non plus, mais que la patience porte toujours fruit. Prépare un petit quelque chose pour toi et Mousseline. C'est vrai? Qu'est-ce que c'est? C'est quelque chose de très spécial. Caillou avait hâte de découvrir ce que son père lui préparait. Papa vous construit une patinoire. Une patinoire? Hourra! Hourra! Patinoire! Vous devriez peut-être enlever vos pyjamas avant de sortir. Nos pyjamas? Oups. Ça y est, je crois avoir terminé. Bonjour, papa. Oh, bonjour, Caillou. Bonjour, Mousseline. Papa, on est prêt à patiner. Où est la patinoire? Elle est ici. Mais on ne peut pas encore patiner dessus. Pourquoi elle n'est pas prête? Caillou était déçu. Il voulait patiner tout de suite. Mais si vous acceptez de m'aider, la patinoire sera prête beaucoup plus vite. Oui! Bien. Premièrement, il nous faut des pelles pour pousser la neige dans la patinoire. Voilà, nous avons assez de neige. Mais il nous reste encore beaucoup de travail. Nous devons compresser la neige pour qu'elle soit bien compacte. Et pour y arriver, on doit sauter de haut en bas comme des kangourous. Qui fait le kangourou? Mousseline kangourou! Moi aussi! Maintenant, soyons des géants. Boum, boum, bada, boum! Boum, boum, bada, boum! Boum, boum, bada, boum! Oh. Maintenant, la neige est bien plate. Super! On peut patiner! Désolé, Caillou, elle n'est pas encore prête. Il faut du temps pour construire une patinoire. Caillou se demandait si un jour la patinoire serait prête. Papa, pousse cette patinoire.
Pas tout à fait, Mousseline. Je suis en train d'arroser la neige. Quand l'eau aura assez refroidi, elle gèlera et se transformera en glace. Après, nous pourrons patiner. Mais Caillou était de plus en plus impatient. Il voulait patiner tout de suite. Patience, ça prend du temps avant que l'eau puisse geler, Caillou. Je sais, mais je ne peux plus attendre. Et si tu faisais un bonhomme de neige avec Mousseline? Le temps passera plus vite comme ça. Bonhomme neige! D'accord. Un casque pour Monsieur Bonhomme de neige. Regarde, papa, notre bonhomme de neige veut patiner avec nous. Bonne idée, Caillou. On pourra s'amuser entre amis. Caillou se demandait si la patinoire était déjà gelée. Alors, il décida d'aller vérifier. La glace semblait être prête pour y patiner ou y glisser. Caillou, non, arrête! Oh non! Caillou tout mouillé! Je suis désolée, papa. Je croyais que la glace était prête. Tu as besoin d'être un peu plus patient, Caillou. Les bonnes choses savent se faire attendre. Maintenant, je dois réparer la patinoire. Et combien de temps? D'après moi, ça devrait être prêt demain matin. Demain matin? Oh, c'est dans trop longtemps. Caillou nageait dans la neige. Je ne nageais pas, Mousseline. J'essayais de patiner. Ne t'inquiète pas, Caillou. Tu patineras très bientôt. Je sais, mais c'est pas drôle d'attendre. J'ai une idée. Caillou avait oublié que ses chaussettes glissaient sur le plancher de la cuisine. Regardez, c'est comme si je patinais. Caillou patine. Caillou et Mousseline patinent. On n'a pas besoin d'attendre pour faire semblant de patiner. Tu as bien raison. Caillou était excité. La patinoire était enfin prête. Oups, j'ai presque oublié. Caillou, calme-toi. La glace sera toujours là quand tu sortiras dehors. C'est promis. Désolée, maman. J'ai trop hâte. Alors, est-ce que ça valait la peine d'attendre pour patiner? Oui! Coucou, les petits patineurs! Qui veut du chocolat chaud? Moi, j'en veux! C'est peut-être un peu chaud. Alors, soufflez bien dessus pour le laisser refroidir. Oh, c'est chaud! Je crois que je viens de me brûler la langue. Tu sais, papa, il faut être patient. Les bonnes choses savent se faire attendre. Oui, tu as raison, Caillou. Effectivement. Et l'année prochaine, Caillou sera un peu plus patient quand viendra le temps de patiner sur la glace. Le hockey de Caillou. Caillou et sa famille savouraient un bon repas de spaghettis. C'est délicieux! J'adore quand vous préparez des spaghettis! Ça nous fait plaisir, Caillou. Mais s'il te plaît, essaie de ne pas faire trop de bruit en mangeant. Caillou aimait manger des spaghettis, mais il avait beaucoup de mal à les manger silencieusement. Oups! Excusez-moi! Oh, ce n'est pas grave, Caillou. Je sais que tu fais de gros efforts. Comme Mousseline. Elle fait de gros efforts pour ne pas trop salir sa serviette de table avec la sauce. Serviette propre! Bravo, Mousseline. Mais tu sais, tu as le droit d'utiliser ta serviette, surtout quand tu as de la sauce partout sur le visage. Oups! Tout le monde riait avec Mousseline. Mais alors que Caillou riait, il fit un bruit. Tu viens, Mousseline? Je vais aller te nettoyer. Et toi, Caillou, tu peux m'aider à ranger la cuisine? D'accord, je vais t'aider.
Caillou faisait très attention de ne rien laisser tomber. Mais c'était difficile à cause du bruit qu'il faisait. Attention! J'ai l'impression que quelqu'un a le hoquet. C'est quoi le hoquet? Et comment je fais pour ne plus l'avoir? Il faut attendre. Et d'habitude, ça finit par partir tout seul. Oh, d'accord. Je peux attendre. Hé, hey, j'ai attendu, mais c'est pas encore parti. Il faut attendre plus longtemps que ça, mon coco. Peut-être qu'en attendant, tu pourras aller jouer dans le salon. D'accord, maman. Caillou décida de construire une grande tour en attendant, mais... Est-ce que le hoquet va vraiment finir par s'en aller? Comment ça va, Caillou? Je ne peux rien faire à cause du hoquet. Je ne veux plus avoir le hoquet. Tu devrais essayer de ne plus y penser, mon chéri. Si tu attends, le hoquet finira par partir tout seul. Mais j'ai déjà attendu. Eh bien, j'ai déjà entendu dire que pour se débarrasser du hoquet, il suffit de faire un peu peur à quelqu'un. Faire peur? Je n'aime pas avoir peur. Ce n'est qu'une petite peur de rien du tout. Ça fait sursauter la personne et ensuite le hoquet disparaît. Est-ce que tu veux essayer? Si ça peut faire partir mon hoquet, alors d'accord. Dans ce cas, prépare-toi. Et... Bouh! Hé, ça a fonctionné! Oh non, ça n'a pas fonctionné. Peut-être que je n'ai pas eu assez peur. Je pense qu'on peut régler ça, pas vrai, Mousseline? Caillou n'avait pas peur du tout. Maman et Mousseline étaient beaucoup trop drôles. Ça ne fonctionne pas. Alors heureusement que je suis là. Je connais quelques bons trucs pour guérir le hoquet une bonne fois pour toutes. Oh oui! Je suis le plus grand guérisseur de hoquet de toute la planète. Viens, je vais te montrer. Alors, certaines personnes se débarrassent de leur hoquet en buvant de l'eau très rapidement, d'un tuyau d'arrosage. Mais ce n'est pas aussi facile que ça en a l'air. On peut finir par se mouiller. C'est pas grave. Je veux essayer. Caillou se rendit compte qu'il était presque impossible de ne pas se mouiller. Et son papa aussi. Oh, ouais! Oups, désolé, papa. Pas de problème, Caillou. Quand il fait chaud comme aujourd'hui, un peu d'eau froide me fait du bien. Et à l'herbe aussi. Mais ça ne fonctionne pas. J'ai toujours le hoquet. Ne t'inquiète pas, Caillou. Il me reste d'autres bons trucs pour guérir le hoquet. La solution de la tête en bas fonctionne toujours. Mousseline aussi. Seulement quand on a le hoquet, Mousseline. On fait ça pour que je n'ai plus le... Ne t'en fais pas, je connais un autre truc pour te guérir. J'ai gardé le meilleur pour la fin. Avec ce truc-là, je suis sûr qu'on arrivera à se débarrasser de ton hoquet. Qu'est-ce que c'est? Je vais te montrer. Tu sautes sur ton pied gauche et tu frottes ta tête avec ta main droite. Caillou trouvait que son papa avait l'air rigolo. Et maman et Mousseline aussi. Oh, vous avez vu ça? Vous ne trouvez pas que papa est... Mais Caillou voulait tellement se débarrasser de son hoquet qu'il se mit lui aussi à sautiller sur place. Tu fais très bien ça, Caillou. Saute jusqu'à ce que le hoquet s'en aille. Vas-y, Mousseline, tu peux sauter toi aussi. Bon. Est-ce que ça va? Oui, ça va. Il va falloir que je m'exerce plus souvent à sauter. Et moi, j'ai toujours le hoquet. Qu'est-ce qui arrive si je l'ai pour toujours? Et toujours, et toujours. Eh bien, désolée d'en arriver là, mais je pense qu'on devrait peut-être arrêter de manger des spaghettis, puisqu'on dirait que les spaghettis te donnent le hoquet. Mais maman, tu sais que c'est mon plat préféré, et celui de Mousseline, et aussi celui de papa. Ce ne sont pas les spaghettis qui m'ont donné le hoquet. Je suis sûre que non. Et en plus, tu sais quoi? J'ai l'impression que c'est parti. Écoutez. Caillou avait raison. Son hoquet était parti. Tu sais, Caillou, c'est peut-être parce que je t'ai fait peur en te disant qu'on ne mangerait plus jamais de spaghettis. Non. Je crois que mon hoquet est parti tout seul.
Et tu avais dit que ça se passerait comme ça. Mais est-ce qu'on va vraiment arrêter de manger des spaghettis? Bien sûr que non, Caillou. Je ne faisais que te taquiner. Ouf! Quel soulagement, parce que j'adore les spaghettis. Mousseline aussi! Spaghettis! Pas tout de suite, Mousseline. On vient de manger des spaghettis. Mais bientôt, Mousseline, c'est promis. Oh non! Maintenant, c'est moi qui ai le hoquet. Caillou apprit que le hoquet partait tout seul avec un peu de patience.